Bonjour à tous, une soupe aux lentilles, une chorba Ades, une chorba tunisienne remplie de vitamines et franchement un pur régal. On aura besoin pour cette recette qui se fait rapide, c'est vraiment rapide à réaliser. Et après, il y aura un temps de cuisson de 35 minutes. Donc là, j'ai coupé mes morceaux de bœuf en petits bouts. J'ai mis un filet d'huile et je fais revenir mes petits morceaux de bœuf. Je rajoute un oignon émincé. Ils ont pris une belle couleur. Et là, je rajoute mon oignon émincé. Je fais revenir quelques minutes. Et dès que mes oignons deviennent translucides, je vais rajouter mes carottes que j'ai coupées grossièrement. Je les fais revenir quelques minutes. Et là, je vais rajouter mes épices. Alors, on aura besoin de sel et de cannelle. J'ai mis un tout petit peu de cannelle, j'en ai pas mis beaucoup. Après, c'est vraiment c'est comme vous voulez, quoi. Ça dépend de vos goûts. Et j'ai mis un petit peu de poivre. On continue à faire dorer quelques minutes. Et là, je vais rajouter 1 litre d'eau. Non, j'ai rajouté 1 litre d'eau et je vais rajouter 200 grammes de lentilles. Alors, c'est des lentilles que j'ai déjà lavées préalablement et je les ai mis dans de l'eau chaude. Je les ai laissées tremper pendant une demi-heure. Et là, maintenant, je vais les cuire dans mon cookéo pendant 35 minutes. Je rajoute du persil et de la coriandre, les deux. Donner beaucoup de goût et de la saveur. Et là, ça va partir en cuisson. Cuisson sous pression pendant 35 minutes. 35 minutes parce que c'est du bœuf, hein. Sinon, 25 minutes, c'est largement suffisant pour des lentilles. Donc là, j'ai bien remué pour décoller les sucs. Et là, cuisson sous pression pendant 35 minutes. Après ces 35 minutes de cuisson, je rajoute 80 g de langue d'oiseau. Je rajoute aussi encore un petit peu de persil et de la coriandre. Et après, il n'y a plus qu'à cuire 8 minutes. Et voilà ce que ça donne. Un pur régal. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt.